Yo tout le monde, c'est Funuki, on se retrouve aujourd'hui pour du pack opening sur le jeu Dragon Ball Fusion World. Les amis, on va pas se mentir, à chaque fois qu'on a fait des pack opening, on a été assez chanceux, que ce soit en live ou en vidéo. Est-ce qu'on pourrait encore réitérer? Nous, on aime réitérer. Pourquoi pas encore avoir du Gohan ou bien du Mille Gâtés Secrètes? Ben oui, je sais, on est gourmand. Vous allez me dire, non, mais là, t'abuses et tout ça. Et ben, écoutez, on va essayer. Comme vous pouvez le constater, en bas à droite de l'écran, j'ai 10 tickets en ma possession. Parce que, voilà, vous savez, on a pas mal de cartes, etc. avec les displays, tout ça. Donc, on ouvre petit à petit. Et puis, en même temps, on teste un petit peu in-game. On attend de voir ce que ça donne à force de faire des games. Bon, on gagne, on perd, etc. Et comme ça, ça nous permet d'apprendre le jeu. Donc oui, les amis, on va partir en invocation. Enfin, pas en invocation, je dis invocation, mais non, n'importe quoi. Alors, hop, yes, voilà, les 10. Pas invocation, mais pas que opening, voilà. Et max de position dans le Genkidama. Bon, déjà, il n'y a pas la lueur rouge. Donc, quand il n'y a pas la lueur rouge, il n'y a pas de secret. Et s'il n'y a pas de secret, je suis pas content. Mais sait-on jamais, on peut avoir un switch. Alors, je crois que c'était Yekase ou une autre personne, je sais plus, avec qui je jouais, qui me disait, non, c'est mort, il n'y a pas de switch sur les secrets et tout ça. Moi, j'ai envie de te dire, sait-on jamais. Sait-on jamais, mais il y a une secrète. Non, c'est trop, les frérots. Mais c'est incroyable. Bon, bah voilà, vous le voyez, on a le switch de la secrète. Hop, ok, bon, on va l'ouvrir en dernier, du coup. Ok, le Trunks SR. Non, mais j'en reviens pas qu'en ce début de vidéo encore, on a une secrète comme ça qui tombe sur un switch. Ok, là, C18. Ok, la couleur, je prends la couleur SR. Alternative en plus. Alternative. Alors celle-là, brille pas. Bon, j'avoue, j'aurais bien voulu qu'elle brille. Peut-être plus tard, on l'aura plus tard. Allez, let's go du coup. La secrète, vas-y, le Gohan, ça serait bien. Le Gohan. Le Gohan ben, bon. Non, c'est trop les frères. Là, c'est franchement, c'est incroyable. Pourquoi je dis le Gohan? Parce que du coup, je l'ai en carte physique et je ne l'avais toujours pas en digital. Donc, bon, bah là, voilà. On est en train de faire le taf, encore une fois de plus. Les gars, une alternative plus une secrète, là, dans ce premier pack. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, même moi, je comprends pas. Ok, bon, là, pas de secrète. Ah, ça serait abusé, quand même, de revoir une secrète. Le mec. Oh, pas mal, celle-là, je ne l'avais pas également. Toute la team du commando Ginyu, type jaune, c'est pas mal, entre le couleur, tout ça. Oh, la leader de Black Goku. Ok, bon, par contre, c'est pas l'alternative. Donc, mais bon, on prend quand même, on va pas se mentir. Imaginez-vous un petit switch, là, d'une secrète. Ouais, ah bah non, bah non. C'est le mec, il veut toujours plus de secrètes. On veut de la secrète, de la SCR. Allez, let's go. Fais plaisir, fais plaisir. Ok. Là, il y a... Oh, et merci également à tous ceux qui follow la chaîne YouTube. Soyez tous les bienvenus. Et n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est toujours pas fait. Allez, SCR. Ok, une Freezer. Eh, ça commence à être pas mal, là. La petite Freezer SCR, ça commence à être pas mal pour le deck jaune, hein. Pour le deck jaune également. Eh ben tiens, pour le deck jaune. Et là, par contre, mais c'est l'alternative SR de Kula. Celle-là, elle brille. Je disais, j'aimerais bien qu'elle brille. J'aimerais bien de l'avoir. Bah, elle est arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe, là, en fait? C'est quoi, ce pack opening de fou, encore? Les amis, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. Là, on a eu une secrète. On a de l'alternative en veux-tu, en voilà. Ça pleut, ça pullule. C'est ouf. Ok. Ok, allez, la petite rare, ok, encore une petite Gohan. Pour le deck vert, c'est quand même pas mal, hein. Petite Gohan pour le deck vert, on prend. Ok, bon, secrète, pas secrète, secrète, pas secrète, secrète, pas secrète, leader. On prend, leader, leader, on prend. Allez, let's go. Zamasu. Ok, encore le leader, du coup, de Black Goku. Ok, alors, il y a un système sur le jeu, c'est que quand tu as des doublons comme ça de leader, en fait, après, tu peux craft tes cartes. C'est Yekase qui m'a montré ça, je ne savais pas. Tu peux craft tes cartes pour obtenir des cartes que tu n'as pas sur le jeu. Ça, c'est intéressant. Tu vois, tu échanges tes doublons contre des cartes que tu n'as pas. Ok. Ok, très bien, on a deux rares. Vas-y, alors, je rappelle, hein, la lueur jaune, c'est deux rares. La lueur violette, c'est SR. Lueur rouge, c'est secrète. Et après, quand il n'y en a pas, voilà. Sauf quand t'as du switch. Voilà. Mais on peut pas la secrète, là. Un petit coup de secrète, là. Voilà, sur de la lueur violette. Ramène-moi une petite secrète. Ramène-moi... Bah, ramène-moi une petite secrète. Les amis, on a encore une secrète. Mais qu'est-ce donc cela? Qu'est-ce donc cela? Bon, bah, j'ai envie de vous dire, on se la garde pour la fin, hein. On se la garde... Non, là, c'est trop. Bon, là, j'avoue. Est-ce qu'on peut... Oh, pas mal. Petit leader de Trunks.
J'avoue, 1000 gâtés, ça pourrait me faire 3000 gâtés dans mon deck rouge. Ça serait pas mal. 1000 gâtés, 1000 gâtés, 1000 gâtés, 1000 gâtés. Juste le normal, ça me suffit. Juste le normal, ça me suffirait. Juste le normal. Oui, 1000 gâtés en alternative en plus. Je disais juste le normal, ça me suffit, mais non! Le jeu décide de me le donner en alternative! Oh là 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 là, mais c'est quoi, les amis, ce pack opening de fou furieux? C'est quoi ce pack opening de fou? Non mais là, hé, les gars, on a eu combien d'alternatives? On a eu deux secrets, des alternatives en voiture. Oh, ça c'est bien! Cette commune, je ne l'avais pas, je disais à Yukes, ouais, c'est une dinguerie, j'ai toujours pas cette commune pour le deck vert. Ça y est, elle est enfin tombée. Bon, c'est pas mal. Franchement, non, là, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Là, j'ai pas les mots. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de chance sur le jeu, hein. Vous allez vous dire, non, mais lui, c'est abusé. Mais je comprends, je compatis. Enfin, je compatis, les amis. Là, c'est dinguerie. Ok, ok. Ok, Rikum. Et le Trunks, pas mal aussi, le Trunks. Le Trunks bloqueur type vert. Ok, le dernier. Le dernier. Secret. C'est le mec 3 secrets. Allez, vas-y, let's go. Ok, bah, il y a quand même 2 SR. Hein. Eh, il y a quand même 2 SR. Ok, leader de Kula, je prends. Ok. J'ai 3 couleurs type jaune SR. Si je pourrais en avoir un autre... Oh, pas mal, je reprends, du coup. Bon, bah, voilà, j'en ai 2, du coup, en commune. J'ai plus qu'en craft 2 autres, et puis, ça sera dans mon deck. Si je pourrais avoir une SR encore de couleur, ça m'en ferait 4. Pour le deck jaune, ça serait pas mal. Ok, Goku Blue, ok. Mais une petite dernière de couleur, ça serait encore bien. Eh ben, une dernière de couleur. Non, c'est trop. Non. Non. Non, mais c'est quoi, ça? Mais c'est... Non, là, les gars, ce qui vient de se passer dans cette vidéo, c'est tout simplement magistral. Max 2 pouces bleus en mode Genkidama, je ne veux rien savoir. Non, mais là, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de voir. On a eu des codes qu'on a rentrés. À aucun moment, on a eu un pack avec de la lueur rouge qui annonçait de la secrète. Mais on a eu du switch dedans. Et on a eu 2 secrètes, dont une alternative. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Vas-y, hop. Non, mais non, franchement. Les amis, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Je sais pas quoi vous dire. Je suis scotché moi-même. Frérot, Mingate alternatif. Gohan. Des coups là, en veux-tu? En voilà pour le deck jaune. On sait très bien que cette carte, elle est incroyable pour le deck jaune. Là, franchement, les gars, c'est la masterclass. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi, vous aussi, si vous avez eu du lourd sur Dragon Ball Fusion World. Voilà, je suis en train de tâter le terrain. Alors, je suis pas encore un expert sur le jeu. Hein. Parfois, on gagne, parfois, on perd. J'essaye, voilà, de connaître les cartes en fonction de ce que je vois arriver sur le terrain. Parce que, voilà, il y a tellement de cartes également. Plus de 160, hein, si je dis pas de bêtises. Forcément, tu ne connais pas tout. Mais voilà, je trouve ça cool. À la base, c'est un jeu gratuit. Ensuite, franchement, ça va, c'est pas trop la mort. Même si vous dépensez des gemmes, c'est 1€ le booster. Je trouve ça quand même assez correct. Tu te dis, là, regarde, 10 boosters. Moi, j'ai eu des codes, mais ça serait revenu à 10€. Pour 10€, t'aimes à ce que j'ai eu. C'est une dinguerie quand même. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Réagissez dans l'espace commentaire. Max de likes, comme j'ai pu vous le dire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamiya!